Tu sais pas t'arrêter. C'est vraiment aussi rabat-joie que ta mère. Bah attends, c'est mon concours qu'on fait, non? Tous les dimanches, ça recommence. Bon, allez, tenez, madame Melikian. Merci. Bien, Guillaume. Après Sciences Po, j'ai plus qu'à faire l'ENA. À la tienne, ma chérie. Tu parles? Tu seras en tailleur tous les jours, avec des bacs et fines. Je suis pas une artiste, moi. On a de la chance quand on trouve sa passion dans la vie. Toi, t'es tranquille, maintenant. Mm. Quoi, tu regrettes Intermarché? Non, ça, ça risque pas. Non, non, on fait une bonne équipe, toutes les deux. Maintenant, il peut nous arriver n'importe quoi, on est fortes. Je baisserai plus les bras. Ce que je comprends pas, c'est que vous continuez à aller à la messe tous les dimanches. On n'imagine pas ce qui se passe dans une messe. À propos de messe, vous connaissez l'histoire du curé plongeur qui avait une journée? Oh non, tu vas pas recommencer. C'est fini, votre visage. Ah. Quelqu'un veut du café? Café, tisane? Un petit café, ça? Non, non, merci, non. Non, non, moi je boude. Oh. Je boude, on parle pas. Depuis que j'ai sorti, hein? Il est un peu imprévisible. Non, ben, foutez-lui la paix à ce moment, mais on peut quand même. Pourquoi t'as fait ça? C'est une femelle, elle est pleine d'œufs. Moi aussi, je suis pleine d'œufs. Je sais. De quoi t'as peur? Le toucher. Thank you.
Je vais le dire à ma mère. Je crois pas que ça serve à quoi que ce soit de lui dire si tu gardes pas l'enfant. Je vais la garder. C'est une fille.